Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. I think it's odd how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Linda. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à nouveau dans mon mini art journal. Je pense que je vais vous faire quelques vidéos pour, voilà, ça a l'air de bien vous plaire, pour vous montrer quelques petites techniques. Et puis, comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, c'est un tout petit format. Les vidéos ne durent pas très longtemps. C'est parfait pour l'été. Aujourd'hui, je vais travailler avec, vous allez voir, une chute de papier, un fond que j'avais fait avec des encres dilution, celui-ci. Et puis, je vais travailler aussi un peu avec de l'acrylique. Vous allez voir tout ça au fur et à mesure. Alors, je vous rappelle, je protège mes feuilles puisque ce sont des feuilles de cahier qui sont très fines. C'est pour ça que j'ajoute toujours du papier en plus. Donc ici, ce joli fond. Alors, une petite contrainte lorsqu'on utilise des fonds déjà préparés, faits avec des encres, c'est que au moment ici, au moment où je vais donc utiliser mon gel médium, toujours le même de chez Action, je vais être assez délicate pour éviter de réactiver les encres. Le gel médium de chez Action est assez épais, n'empêche, il est quand même humide, il est légèrement humide, donc si j'insiste de trop, le gel médium va venir réactiver l'encre, et ensuite je vais venir mélanger les encres entre elles, je vais venir tartouiller le reste de ma page avec des encres, donc j'y vais vraiment très précautionneusement et je n'insiste pas trop. Je mets une bonne couche histoire que ça colle bien, mais je ne viens pas trop appuyer sur le dessus de la feuille. Voilà, donc de chaque côté, je mets ce fond que j'aime beaucoup, qui est fait avec un pochoir, donc avec des encres et la gel presse. Une fois que c'est bien sec, je vous le rappelle, en tout cas, dans ma façon de faire le mix média, après chaque étape, je sèche toujours. C'est l'une des techniques que j'utilise. D'une, ça fragilise un peu moins le papier et puis ça évite que tout se mélange ensemble. Donc, je sèche après chaque étape. Je viens protéger l'intérieur de ce qui reste de papier avec mon gesso assez blanc sur donc le papier cahier. Je viens un petit peu déborder sur mon fond et je viens surtout, une fois que c'est bien sec, découper tout ce qui dépasse des feuilles. Je vais travailler avec donc des acryliques et des pochoirs. Ici, j'ai choisi un petit saumon, un petit orange saumon avec un pochoir. Je vais venir travailler en fait un peu la transition entre le papier cahier et mon fond. Lorsqu'on vient voilà travailler cette transition, en tout cas avec cette technique, avec le pochoir et l'acrylique, la transition est plus douce. Vous voyez, il y a plus cet arrêt franc entre les deux papiers différents. J'aime bien utiliser aussi de temps en temps les acryliques. J'utilise donc une petite mousse à maquillage. Et puis un pochoir ici, c'est un pochoir de chez Art by Marlène. Et vous voyez, il me reste
de l'acrylique. Donc pour ne pas gaspiller, eh bien je viens le mettre sur ma table. Je vais mettre des morceaux de pochoir. C'est pour ça aussi que j'aime bien recouvrir ma table avec des grandes feuilles. Comme ça, quand il me reste des choses, vous voyez tout autour, eh bien, je viens mettre ce qui me reste. Ça évite de gâcher. Je viens mettre ce qui reste directement dessus. Et puis plus tard, j'utiliserai bien sûr ces grandes feuilles. Déjà, ça fait des fonds déjà tout faits. Je fais la même chose cette fois-ci avec un autre pochoir, toujours de chez Art by Marlène, mais avec une acrylique noire. Je viens faire quelques étoiles en plus. Pareil, il me reste de la peinture, donc je viens mettre ça sur le fond de ma table. Quelques gouttes de Posca orange fluo. Je viens sécher tout ça et puis je reprends mon gesso pour toujours venir estomper quelques zones. Pour venir apporter un peu plus de lumière. Alors pas de souci sur l'acrylique. Par contre, encore une fois, je fais attention quand j'arrive au niveau, comme ici par exemple, des encres qui pourraient à nouveau se réactiver un petit peu moins puisqu'il y a quand même le gel médium qui vient protéger. Mais je fais toujours attention. J'en profite pendant que je suis avec mon gesso pour répondre à une question. On m'a demandé comment était fait mon petit carnet. C'est vrai que je ne voulais pas montrer en vidéo. Alors c'est un petit carnet tout simple qui mesure 9 cm par 11 cm. La reliure est faite à la machine à coudre puisque je n'ai que 6 feuilles de cahier, donc c'est très fin. Et puis la couverture, je l'ai faite avec ma technique de plastifier mes chutes de papier. Donc pareil, ça reste une couverture très fine. Du coup, je suis venue simplement faire une couture à la machine à coudre, tout simplement. Voilà. J'en ferai peut-être hein, sur. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre comment j'ai fait ce petit art journal. Peut-être que j'en ferai un plus grand et à ce moment-là, je vous montrerai comment je l'ai construit. Comme point focal, j'ai choisi cet embellissement que j'avais fait il y a quelques temps maintenant dans les tons de rouge-orange. J'aime beaucoup, ça ressort beaucoup. J'avais fait quelques croix, j'avais cousu quelques croix avec du fil noir. Et pour qu'il ressorte un peu plus, je suis venue le mater sur une chute de papier noir tout simplement. Et vous allez voir, je vais venir le découper pour que bah, simplement mon embellissement ressorte un petit peu plus. Je viens faire un encadré sur toute ma page avec un stylo Stabilo indélébile. Voilà, là je suis en train de découper mon embellissement. Je vais rajouter du fil vert fluo en dessous de mon embellissement. J'aime bien rajouter, vous le savez, du fil. Voilà, donc il m'arrive d'ajouter des morceaux de fil comme ça, de ci, de là. Je trouve ça très sympa, ça donne un peu plus d'intérêt à la page. Je viens coller tout ça avec ma Tacky-Glue Turbo, ça fonctionne très bien. Et puis ensuite, je vais m'amuser avec mes tampons de fond pour voilà, enrichir un petit peu plus cette page et lui apporter un peu plus d'intérêt. J'utilise la Stazone pour encore une fois plus de facilité au niveau du séchage. Là, on est vraiment sur du mix média, donc il y a de l'acrylique, il y a du gesso, du gel médium, de l'encre. Voilà, donc au moins je suis certaine avec la Stazone que ça séchera vite puisque la Stazone est une encre à séchage rapide alors que la Versafine est une encre à séchage lente. Donc j'utilise plein de tampons différents, des tampons de chez Art by Marlène. Ici c'est un joli tampon de chez L'Encre et l'Image. Et puis je continue voilà, ma mise en page tout doucement. Vous voyez vraiment une page très très simple, très rapide à réaliser. Un fond déjà fait avec des chutes voilà, qu'on vient réutiliser. Tout de suite, ça fait déjà la moitié du travail. Il ne nous reste plus que quelques petits tamponnages, quelques petits pochoirs à mettre et votre page est terminée. Je rajoute un petit peu de stylo gel doré pailleté à l'intérieur de ces petites étoiles. Je vais venir aussi
rajouter un petit peu de posca blanc, toujours pour un petit peu plus de lumière, et la page sera terminée. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je réponds toujours à vos commentaires avec grand plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps d'ailleurs d'en laisser. Voilà, c'est très motivant et ça, voilà, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à tout bientôt. Je pense la prochaine vidéo, ce sera la vidéo de mon Daily Junk Journal du mois d'août. Et puis les prochaines, on continuera, si vous le voulez bien, à remplir ce petit art journal. Voilà, prenez soin de vous. Allez, à tout bientôt. Ciao. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day.